Et voilà, autant bien commencer sur de la bonne musique. De la bonne musique et sur le début d'une publicité, décidément, je peux pas m'empêcher de rater quelque chose. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à vous. Et je me rends compte que j'ai en plus oublié de... Décidément. De vérifier si c'était les bons, c'était les bons réglages, si c'est bon. Hop, bon, remettons juste ceci pour l'instant parce que à tous les coups. Et voilà. Blablabla. Nous allons devoir attendre encore un tout petit peu. Et là, logiquement, le jeu devrait se lancer. Comme par magie. D'autant plus magique, je dirais, parce que bon sang, j'ai réussi à le faire fonctionner dès le premier jour. En tout cas, s'il veut bien se lancer, bien entendu, parce que là, je suis en train de crier victoire, mais pour le moment, c'est qu'une fenêtre. Ce n'est qu'une simple fenêtre. Oh! Bon, très bien, vraisemblablement il a décidé de casser les burnes. Donc du coup, je vais devoir juste rajouter un petit truc. Hop, non, pas ça. Hop là. C'est pas forcément le plus intéressant, mais... Je pense que bon. Quitte à pas avoir grand-chose, au moins. Non, si. Si je retire ça. Est-ce que ça fonctionne? Mon Dieu, est-ce que ça fonctionne? J'entends dans mon casque que ça s'active, mais je ne vois rien, ce qui m'inquiète. Cependant, je disais que ça ne fonctionnait pas, mais ça se trouve que je suis mauvaise langue. Est-ce que par le plus pur des hasards ça fonctionne et je suis juste pas assez patient? Bon, toujours est-il que... Voilà, c'est bon, ça s'affiche enfin. Bon, donc du coup, comme d'habitude, en tout cas pour les Resident Evil, voix en anglais, texte en français, sous-titres, sortie audio casque. Quand même pas déconner, j'ai pas envie que ça me gueule dans les oreilles. Hop! Alors, ouais, à peine visible, c'est bien comme ça. Bon, si vous n'êtes pas encore là, bah tant mieux. Tant mieux parce que c'est probablement pas ce qu'il y a de plus fun à voir. Jusqu'à ce que l'image de gauche disparaisse. Alors. Disons comme ça. Bon bah, pile comme j'étais au départ. C'est très bien. Zone rectangulaire, c'est parfait. Je me connecte à Hero.net parce que je suis un pigeon. Tenue spéciale, évidemment, parce que... Parce que, pareil, hein, pigeon, donc du coup je l'ai acheté avant. Avant qu'ils sortent. Alors, course. Attends. Maintenir. Ok, je préfère maintenir. Action contextuelle. Appuyer à répétition. Maintenir. Appuyer à répétition. C'est mieux. Bouton de souris, je m'en fous. Rechargement automatique. Non! Attends. Non! Ça peut être sympa. Ça peut être sympa et ça va m'obliger à être plus attentif. Curseur de la souris, ça on s'en fout, ok. Ça marche, bon. Tchac, 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 tremblement de caméra, ouais.
couleur du réticule, tutoriel. Oui, bah oui, tant qu'à faire. Parce que un jeu, c'est toujours plage dynamique, réduite, étendue. On va mettre étendue au cas où. Hop là, tous les graphismes, je vais pas essayer de trop y toucher. Envoie des données et c'est bon. Pour les tenues, je vais pas y toucher pour l'instant. On va y aller. On va se plonger corps et âme dans. Bon, plus corps que l'âme pour l'instant. Mais en tout cas, c'est parti pour Resident Evil 3, le remake, qui est bien attendu depuis au moins 10 ans. Normal, facile, hardcore. Fusil d'assaut? Non, on va pas. On va commencer en normal. En fait, c'est comme. C'est. Petit trivia comme ça. C'est comme le mode facile de RE3, le tout premier. C'était beaucoup trop facile. Mais genre beaucoup trop. Alors. Je profite en même temps de la cinématique que vous, donc du coup, je vais éviter de. Oh. Ok. Nuit debout, gentil de CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity. These are the core values that create the foundation for Umbrella. Tellement d'ironie dans cette phrase. En tout cas, quand on connaît le lore de la série. Bon. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Qui est quand même surpassé par celle-là. Ok. Ok, ça c'était dans le trailer. J'ai pas vu ce qui était marqué juste avant le non. Étrange que les couleurs soient désaturées à ce point. Un peu étrange, mais ok. Ah, ça y est, j'ai le contrôle du personnage. Alors, bon, ok, la télé est parasite, très bien. Tout ça, bon, sûrement pour faire traîner un petit peu le mystère sur qui on contrôle là pour le coup. Même si, bon, très sincèrement. Les aficionados de la série savent de toute façon qui est-ce que l'on incarne. Bon, il y a de la lumière, je suis un papillon. Je vais donc arriver. Et voici qui est-ce que nous incarne.
Ok. Très bien. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Ok, ça dit ça arrive. Ok. Bonjour Xnoob, c'est un plaisir de te voir ici. Du coup, tu es là depuis quand, dis-moi? Three more days, then I can kiss this town goodbye. Ou alors tu ne fais que passer, dans ce cas-là, tu n'as vraiment pas le temps de rester. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, cette meuf-là, c'est celle que je suis actuellement en train de contrôler. Donc, décédé, décédé, faut le dire vite. Bon, par contre, il y avait un flingue ici. Il y a aussi un interrupteur. Ce qui est bien aussi. Ok. Bon, voici donc notre héroïne, Jill Valentine. Qui apparemment fait des cauchemars régulièrement. Je sais pas si c'est une amélioration ou quoi, mais oh bon sang. Alors déjà quand même, je tiens à souligner encore une fois le character design du jeu et le design d'une manière générale. Ah merde, c'est de l'autre côté. Pouf pouf pouf. Je rappelle, nous sommes en 98 dans le jeu. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my. Oh, fais chier. Ah déjà. Oh. C'est une journée qui commence très 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 bien, ma parole. Et game over. What the hell is that thing? Oh, fais chier. Il m'a balancé ma propre porte dessus ou je suis en train de. Non, très bien. C'est. Oui, ça ressemble à ça. Tiens, des gens qui s'accrochent aux balustrades. Il y a le feu. Et il y a la saloperie. Très bien. Ok. Oh! Le moment hentai est arrivé pour vous, mesdemoiselles. Fais attention, Jill, le feu ça brûle. Ouf! C'est ce qui s'appelle se faire souffler, bordel. Vache. Ah d'accord. Mais non, là, faut arrêter. Quel bordel. Et je suis là depuis 5 minutes, quoi. Réveil difficile, je pense qu'il y a pas d'autre mot, là. Ah, bonjour, Brad. Tu... You okay? What was that thing? Damn if I know. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sure. Ah, ça c'est clair. Just look around. C'est clair que la caméra. The more screwed we are. Ouais.
Alors Brad, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la série que c'est un mec suffisamment lâche pour laisser tous ses coéquipiers derrière lui dans une maison remplie de zombies et de strumons toujours. Ah bah tiens, c'est plutôt rigolo ça, parce que c'est exactement ce qui se passe dans le premier jeu. Ah oui, mais attends-moi, Brad. Mais... Ok, très bien. Bah, on se doute que c'est le sort qui l'attend, oui. Ah bah tiens, ah bah il est mordu. Ah bah déjà. Ouais voilà, donc dans les 10 premières minutes. No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I do. Go! Attends, on va lui faire faire un sacrifice héroïque à ce mec? Sérieux? On va sérieusement lui faire faire un sacrifice héroïque. Dans les 10 premières minutes. Et en plus, il a... Oh là là là. Bon, non mais oh. Tirer sur le premier zombie random que je peux éviter. Non mais c'est mort. Ah. Que je peux éviter. Peut-être pas. Si. Si si. Pour toi. Ok, alors là. Ok, très bien. Le toit du parking. Ça marche. Il y a Destrum. Ah non, c'est un mec. Non mais. Non mais. Mec, mais. D'accord. Sir, what's your name? I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. Yeah, right. You just want to steal my safe house. Get your own, Missy. Missy? Okay. Would you please calm down? I'm a police officer. I'm autant insister, hein, parce que là... Oh yeah, you've been doing a bang-up job. You want to help? Go handcuff yourself to one of those freaks. Il y a tellement de parallèles à faire Sir, avec maintenant. This is your last chance. No one else is coming for you. I'm not going anywhere. Très bien. I'd rather starve to death than here to be eaten by one of those undead monsters. Now leave me alone. Ok, alors il me semble que dans RE3 premier du nom, il a le combo. C'est-à-dire qu'il meurt de faim et il se fait bouffer. Oh, nique sa mère. Oh non, mais qui... Non, eux par contre. Voilà. Ah, oh! J'allais dire joli vu. Ah, tiens, salut! Ok. Alors, ça. C'est un Gugus. Très bien. Voilà. Ah, bah voilà! J'allais dire quoi? J'allais dire combien on parie qu'il y a un ou deux zombies là-dedans. Pour l'instant, en vrai, ça va. En vrai, ça se passe. La fin de... Ah non.
Quel dommage, on ne l'aura pas vu venir, c'est l'avantage. Ah oh, bonjour. Ah, d'accord. Oui. It's my turn, bitch. C'est à la fois très drôle mais assez ridicule. Ah d'accord. Ok. Et c'est perdu pour Jill. Là clairement. Et lui se relève, tranquille. Salut Anna. Ah, il a perdu sa capuche d'un coup. On a rien à battre. Ah mais le mec il a... D'accord. Ok très bien. Ok très bien. Oh mon dieu. Easy, I got you. Who are you? What are you doing? My name's Carlos. And I'm saving you. Come on. Let's get you someplace safe. Eh bien, ce personnage aura survécu 3 secondes de plus, c'est cool. Et sera le premier personnage à avoir tenu tête au Némésis. Et là, on est dans le métro. We've been bringing survivors here. Here where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. Ça craint rien. Bah oui, bien sûr. Personal space. Okay, I get it. Non mais calme-toi. Oh come on. Who's the dipshit to close this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. De sport avec des zombies, putain la vache. Le ballon, c'est pas la seule chose qui va voler sur un match de foot, c'est sûr. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa. What are you talking about? You don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Ok, le mec commence à enfoncer des portes à coups de pied. Pour moi, il est digne de fond de confiance et il survivra même peut-être jusqu'à la fin du jeu. Peut-être. Faut quand même pas être optimiste à ce point. Et là voilà. Là du coup, on revient à l'endroit de la démo. This fine young lady could use our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue Savinkis. Je vais probablement le répéter, mais c'est... Je vais pas dire que c'est étrange qu'il sache autant à propos des forces spéciales de Raccoon City, mais c'est assez impressionnant. Enfin, je trouve. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. C'est sûr. But we need help.
My men cannot do this alone. Et vous me demandez à moi. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Okay. Head up to street level. You'll find supplies there. Ça marche. All right. Hop là. Fabriquer des munitions. Ah oui. Alors attends. Pistolet, fusil à pompe, magnum. Ok, ça va. Ça va, c'est assez simple, c'est similaire à Resident Evil 2 sur ce point-là. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est Resident Evil 3 Nemesis, celui qui est sorti en 99, qui a pensé à la possibilité de fabriquer ses propres munitions. Cas de cannibalisme, toute la vérité. Le 25 septembre à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé, témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert dans une benne à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures, indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Cette affaire porte au nombre de 3 les cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci. Ce qui est déjà 3 de trop, hein, on va pas se mentir, mais bref. Qui a bien pu commettre ces atrocités? Ici, à la rédaction du News Comet, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité. Ils sont revenus avec des détails à faire pâlir des froids les moins sensibles d'entre vous. Tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Nous aimons le putaclic. Quoique, en l'occurrence, non, c'est pas trop du putaclic, étant donné que... Alors, je suis genre à 300 mètres de toi. On se calme. And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Ok, ça marche. Alors... Ok... De la poudre noire, très bien. Poudre noire. Alors. Ah voilà. Non, voilà, c'est bon. Plante rouge. Nickel. Combination des objets, nous le savions. Hop. Fusion. Non, ils sont sérieux. Bon, bref. Alors là, à tous les coups, il va me falloir un crochet pour ouvrir ceci. Ça, c'est pour les sauvegardes. Bon, pour l'instant, très sincèrement, tout sur les plantes, bla 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 bla, plantes vertes, spray de premier secours, tout est bon. Du coup, est-ce que ça va être propice à une énigme? Forcément, oui. Forcément, je vois 1, 2, 3 enfants. Merci, Jill. Alors... Continuons, je n'ai pas de lampe torche. Salut Goran! Comment vas-tu? Bon alors ça du coup, l'avantage c'est que je connais. Hop. Oula. Wouah. Ah j'ai eu de sérieux lag pendant un instant là. Si ça vous est arrivé, c'est tout à fait normal. Hop là. Speedrun les gars. Speedrun. Ok, donc là nous avons des zombies, on va dire en mode la foutre. Poudre noire, très bien. Ok. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Putain, déjà du rentre dedans? Déjà? Ah, voilà.
Ça, c'est une bonne réponse. Ouais, ouais, faut que j'éteigne ça. Il y a une bouche à incendie. Quelque chose me dit qu'il va falloir une lance à incendie. Ouais, c'est mon instinct surdéveloppé qui me dit ça. Alors, il y en a un qui grimpe. Putain, la vache. Il y a la moitié qui sont cons, la deuxième moitié qui est teubée. C'est génial. Bon, on va du coup s'amuser un petit peu avec des explosions. Pardon. Nous disions. Alors, là, je me souviens aussi de ça. Nous pouvons donc passer par ici. En effet, mais pas de spoil, ce serait dommage. Alors par contre, comment ça se fait que je peux aller dans deux sens? Probablement parce qu'il y a deux portes au bout. Ah, celle-là, je m'en souviens. Et ça, quelque chose me dit que ça va se réveiller. Donc je vais aller de l'autre côté, tiens. Par pur esprit de contradiction. Ah, quoique, si ça se trouve... Quelque chose va m'empêcher de passer, genre. J'entends quelque chose mâcher de l'autre côté. Bon, je vais pas le déranger plus que ça. Hop là, combinaison, c'est très bien. Et effectivement, faut que je fasse de la place, mon dieu. Déjà deux soins sur moi complets, alors que l'aventure vient juste de commencer. Quelque chose me dit que cette aventure va être riche. Ah, on dirait bien que quelqu'un a envie d'un petit peu de napalm. Alors ça, je l'avais pas fait. Cette partie-là, là, de, je pense même pas qu'elle était disponible. Voilà, ça par exemple, je n'ai aucun souvenir de l'avoir fait, et pourtant c'est un bon raccourci. C'est un très bon raccourci, nettoyé de tous ces dangers. Je crois. Parce que très sincèrement, ce cadavre ne m'inspire pas la confiance. Souvenir, dis-moi déjà ce qu'il se passe. Journal du pharmacien, hop. Entre ma belle aquacure et moi. Ok. Poudre. De la poudre, encore de la poudre. Plus de poudre, s'il vous plaît. Sauf que celle-là est blanche et pas blanche. Et... Ah, voilà. Coucou toi. Oh! 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 Ah, raté. Pas raté. Oh non, les bobbleheads sont de retour. Oh les bâtards. Bon, écoute. Ah, il s'est déjà réveillé. Putain la vache. Bon, remarque, j'ai envie de dire, même dans RE2, ça pouvait être assez rapide aussi. Ne gâchons pas toutes nos balles quand même. Bon, aquacure, je me souviens où la solution est. La mission. Ah, ah, il y avait un cadavre là dans la démo. Bon. Est-ce qu'il serait quelque part par hasard? Alors, pas plus que ça, par contre, il y en a un qui arrive vers moi. Et j'en ai pas très très envie, en vérité. Bon, bah tant pis, hein. Hop, hop, hop. Mais va mourir. Connard. Alors du coup, attendez. Voilà. Hop, ça c'est la carte. Ok. Mon dieu. Putain, déjà tout ça. Oh là là là. Bon, tout va bien. Euh...
C'est ça. Bobblehead. Check, check, check. Bon. J'ai souvenir qu'il faut aller dans la pharmacie pour Aquacure. Et logiquement, vu le nom, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Cependant, bouffer du napalm. Quoique, c'est peut-être de l'essence dedans, en fait. Bon, ça a très peu d'importance, finalement. Ils sont morts. Ah, ah bon, bonjour. Ah. Génial. Bon, bah, ça m'apprendra. Et merde. Eh ben, je sais pas, j'ai envie de buter quelqu'un au couteau pour voir. Eh bien, c'était à la fois moins épique et vachement plus compliqué. Ah, bonjour. Auriez-vous entendu la parole de notre... Mais écoute-moi quand je parle. Oh, foiré. Ah, d'accord. Et en plus, il y a un gars qui a décidé de... Qui a décidé de revenir en plus, et bah... Bon. Alors, Aquacure, du coup, c'était quoi? 9, 3, 7. Ok, bon, j'ai bien fait de revenir voir, étant donné qu'ils ont changé le code. Il est là, il est là. Oula, oula, il se rapproche. En vérité, ah la vache, j'aurais dû. J'ai l'impression qu'il était plus dur celui-là. Connard. J'ai l'impression qu'il était plus dur, mais je saurais pas exactement mettre le doigt sur pourquoi. Mais en même temps, je me demande si c'est pas parce qu'il avait tout simplement une plus forte corpulence. Et donc qu'il était plus puissant de son vivant. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Lui, je crains qu'il se réveille. Bon alors, c'était 9, 3 et 7. Nickel. Ok, c'est un viseur pour le flingue, c'est très très bien. Donc du coup, ok ouais, effectivement, c'est immédiatement vachement plus... Bah pratique, tout simplement, en fait. Du coup, où allons-nous du coup? Là, il y a la pharmacie avec une plante verte et de la poudre supérieure. Mon dieu, je l'ai même pas vu celle-là. Bon, de toute manière, la poudre supérieure ne m'est guère utile pour l'instant. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors toi par contre, je te vois venir. Ah, oh, c'est dingue ça. Bon alors. Ok, viendez tous. Viendez tous. Tous. Je veux vous voir tous près de moi. Allez-y. Voilà, rapprochez-vous. C'est ça. Non mais, vous éloignez pas, bande de cons. Routine. Vous voyez même pas que je vous achève. Bon alors, ici. Ici, nous avons affaire donc à un charmant petit couple. Charmant couple en vacances, je suppose. Donc du coup, on peut supposer que leurs vacances sont un petit peu gâchées. Ici. Ici, pareil. Je suppose que ça va être du lockpick. Oula, on se calme, Jill. Pas besoin de défoncer les portes. Un écrin. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant puisque... première chose. Première chose avant de tout balancer ce qui ne nous intéresse pas. Non, ne balançons pas ça. C'est pas une bonne idée. Hop. Et hop. Ça, ça veut dire objet à scénario. De fait. Mais non. Mais non, examinez.
De fait, il est important. Là, par exemple, on entend bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur, là. Et voilà. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez si vous étiez là d'ailleurs. Il y avait une petite horloge tout près du métro. Enfin, une sorte d'horloge, enfin bref. Et on pouvait mettre des pierres de taille, de forme, à la forme de losange. Bon, voilà. Je place ça comme ça. Parce qu'il me semble assez évident que ça va aller s'insérer quelque part, tout ça. À ne pas trop métaphoriser, note à moi-même. Ok, alors, tout ça là. Oh, sa mère! Ok, félicitations, je me suis pas méfié. Félicitations, je me suis pas méfié du tout, mais du coup, toi, tu vas tellement prendre cher. Si j'arrive à te viser, en tout cas, tu vas prendre tellement cher. Attends, je suis déjà mort? Merde! Putain, abruti! Ok, bon, alors, je suis tellement habitué à avoir la vie qui baisse au fur et à mesure que j'ai même pas regardé ma vie. Putain, quel débile! Oh la vache! Eh bien, continuons. Ok, bon. Oh putain, abruti. Oh, c'est dingue! Et du coup, je suis arrivé. Oh, tout là! Oh non! C'est dommage. Je dirais même plus, c'est extrêmement dommage. Bon, c'est pas très grave, très sincèrement. Du coup, maintenant que je connais, je vais pouvoir le refaire plus rapidement. Surtout que je pense à esquiver en plus. Mon dieu, c'est vrai? C'est vrai que j'ai cette possibilité là? Juste ça la dernière sauvegarde, la vache, c'était loin. Bon, ce qui veut dire que je peux être plus efficient. Hop hop. Ah, cette fois, ce cadavre était un vrai cadavre. C'est très intéressant à savoir. Hop là, c'est intéressant à savoir, d'une partie à l'autre, les cadavres peuvent être juste des cadavres en vérité. Ou alors des zombies bien vivants qui n'attendent que votre signal pour vous happer la jambe. Alors toi Coco, tu vas attendre. C'était 937. Voilà. Donc là, techniquement, dans le jeu, Jill a un instinct de fou furieux, ou alors elle l'ouvre à l'oreille. Ce qui, très sincèrement, peut correspondre au personnage. Hop là, aqua cure, la poudre. La poudre, toujours. Hop. Stacon. Par contre, très bonne nouvelle, même après un game over, on a toujours. On n'a pas à redéfoncer les bobbleheads. C'est une très bonne chose selon moi. Du coup, toi! Tchac, où est-ce que j'allais du coup? Donc la pharmacie, il y avait des balles de flingue. Ouais. Ah, tiens, bonjour. On en voulait un petit peu. Tenez, c'est gratuit. Voilà.
merde. Ok, je me fais manger la cheville, c'est pas cool. Ok. Donc du coup là il y a de l'herbe. Ok. Je vais prendre de l'herbe. Poudre supérieure déjà. Je sais pas si ça vaut le coup. Et ah oui, c'est vrai, il y avait et hop là, une petite esquive, c'est toujours plaisant à réaliser. Allez fils d'up, on vient. Allez allez allez, coucou coucou les chouchous, allez. Nickel, voilà, c'est comme ça que je vous aime, en lambeaux. Hop là, les munitions. Et on retourne à la save room. Donc, on peut balancer ça, ça, non pas ça. Oula non, pas ça du tout. Si on peut balancer ces quêtes là. Hop, hop, bien. Je suis toujours en ok, c'est parfait. Sachant que je me suis beaucoup mieux démerdé et quand même que lors de la première run. Ah oui, ceux qui attendent du skill absolu dans cette run, ou dans ce let's play en live tout simplement, passez votre chemin. Ceux qui veulent me voir galérer, par contre, ceux-là seront très heureux. D'autant plus que je risque d'oublier encore et encore que je peux esquiver, bordel de merde. Mais bon. Du coup, là... Il ne me surprendra pas de pas une fois de plus, enfoiré. Là, de la poudre noire, ok. Bon, continuons. Ok, il manque le saint le saint coupe-coupe. Allez, on va l'appeler comme ça, le saint coupe-coupe. Là, logiquement, il y a quelqu'un. Voilà. Alors, déjà, première chose, la lance à incendie. Parce que c'est toujours mieux. Deuxième chose. Emploi du métro. Fusil à pompe, coupé à chaîne. Très bien, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Quoique non, j'aimerais bien savoir où est le sécateur. Chiant. Il s'est toujours pas relevé, lui, tant mieux. This must be the subway company's offices. Mais du coup, je serais amené à revenir ici. Donc. Alors, en cas de coupure de courant, le métro cessera automatiquement de fonctionner une fois l'électricité rétablie. Ah ouais, d'accord. Bon, de toute façon, il faut déjà que je rétablisse l'électricité. Salut toi. Bang bang bang. Ah non. D'accord, la porte se referme sur moi.
sans aucun respect aucun. Et là, si les gens qui étaient là lors de la démo se souviennent, c'est le moment où je vais sauvegarder. Hop là, parfait. Eh, ça va déjà faire presque une heure que j'y suis, hein, très sincèrement. Bon, continuons un petit peu pour l'instant. Allez, je suis prêt. Tellement pas, mais bon. Ah non. Eh bien écoutez, c'est l'avantage d'avoir fait le jeu dans sa version démo avant. C'est que du coup on sait pas du tout à quoi s'attendre. Enfin, plus ou moins quoi, mais sans plus. Là par contre, on va pas se mentir. On le sait ce qui va se passer. N'est-ce pas? Allez. Et ben voilà, nous éteignons l'incendie. Nous éteignons l'incendie, pardon. Et là, il ne se passe rien, bordel de merde. Est-ce que ce jeu ne va m'épargner aucune notion de non-teasing? Je sais pas ce que je voulais dire avec ça. Cherchez pas. Allez, bon, un coup de boulon. Très bien. Une machine à écrire. Très bien. Je vais pas aller voir. Pas pour l'instant. Je vais pas aller voir pour l'instant parce que j'ai souvenir d'autres... on va dire machins qui ont besoin d'un coup de boulon. Putain, hein, réussir à louper ce genre de... Oh, et bah ça c'est une esquive. Ça c'est cool. Nous aimons les esquives. Nous aimons d'une manière générale ce qui ne nous fait pas de dégâts. Et ça c'est une loi universelle. Voilà. Oh, fait chier. C'était magique. It's a kind of magic. Une grenade, ça c'est cool. Ah, oh, bonjour. Et c'est ce qui s'appelle une esquive plutôt réussie, à l'ancienne, sans bouton d'esquive. C'est très très bien. Allez. Ah bah quand même. Mais qui se relève un jour celui-là. Pour se coucher aussitôt, certes, mais il fallait bien qu'il se relève un jour. Je sens pas beaucoup de gens dans le chat. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Nique sa mère. Là, très sincèrement. Non, sérieux. Bon, c'est pas grave, à la limite. Allez hop, on va dire que je priorise plutôt le pompe plutôt que la poudre. Je devrais pas, mais c'est comme ça. Je préfère. Ah, voilà! Donc à retenir, ce qui trigger le fait qu'un zombie arrive, c'est... Hey! C'est cool, merci d'avoir répondu. Du coup, par contre... je me dis, il serait peut-être intelligent de déposer quelques trucs. Genre la grenade, je suis pas sûr d'en avoir besoin à 100%, pas maintenant en tout cas. Un peu
Voilà. Ah bordel, et bah ça c'est ce qui s'appelle une esquive ratée. Donc non, je suis en train de me dire, ça se trouve c'est simplement plus notre santé est faible, plus on prend tarif. Plus on a du mal à se débattre et tout, c'est logique. C'est beau la logique, mangez-en. Bon ça va, c'est pas trop chiant pour l'instant. En même temps, je devais prendre votre acte de présence en tant que tel et me dire du coup que ce n'est pas chiant. Mais au cas où, quand même. Hop, du coup... putain, j'espère... Oui, c'est bon. Putain, c'est bon, j'ai pas été totalement débile. Je n'ai pas oublié qu'il y avait un coffre dans le coin. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est... Hop là. Bon alors... Entrons. UBCS? Yeah, careful, careful. Okay. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. Okay, no, wait, please! Okay. What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. Ok, très bien. Go back to the subway station. I don't need a bleeding heart like you getting in the way. Ok, tout va bien. Bon, non, mais en soi, tout est normal, quoi. C'est cool. Journal d'entraînement. 10 juillet, 91,5 kg, 12 tours de terrain, 2 circuits. Adieu prison, Umbrella Corporation vient juste de m'offrir un job. Un job! Je sais pas comment ils vont faire pour effacer une peine de prison à vie pour avoir tué 20 membres d'un gang, mais peu importe, ça me va. Ce sera toujours mieux que de passer le restant de mes jours derrière les barreaux. Faut que je me remette en forme. 26 juillet, 89,1 kg, couru 20 km, 3 circuits, tir sur cible à 365 mètres, 5 échecs. Hier, on m'a sorti de prison et transféré vers un camp d'entraînement de l'UBCS où j'ai pu tirer pour la première fois en 2 ans. J'ai loupé une cible à 365 mètres et d'une bonne douzaine de centimètres. Ça m'était jamais arrivé avant, comme si j'avais tout oublié. Mais ça fait rien, je vais me remettre à niveau. 15 août, 86,2 kg, couru 30 km, 3 circuits, tir sur cible à 550 mètres. 2 échecs. Bon, j'ai réduit ma marge d'erreur à environ 7 cm, je me sens déjà mieux. Après le déjeuner, j'ai eu droit à ma première simulation de combat. Le capitaine et les autres gars sont des gens bien, et de vraies machines de guerre en plus de ça. Il n'y a que ce cinglé de Nicolas que je sens pas. Cet enfoiré a pas hésité à m'utiliser comme bouclier humain pour marquer plus de points. 25 septembre, 82 kg, couru 30 km, 4 circuits, tir sur cible à 550 mètres, aucun échec. Murphy est de retour les mecs, vous me verrez plus jamais rater une cible. Demain je pars pour ma première mission, opération anti-émeute à Raccoon City. Je crois que Jimmy aurait aimé ça, mon frère était toujours prêt à se sacrifier pour les autres. Si seulement ces racailles de merde l'avaient pas tué. Enfin, maintenant c'est à mon tour de faire quelque chose de bien, à ma manière. Ok très bien, bon bah t'auras servi à rien Murphy, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon bah la bise, hein, la bise X-Noob, et je pense qu'on peut appeler ça une bonne déglingade entre copains. J'en sais rien en vérité, je sais pas non plus comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais globalement ça va être comme ça. C'est comme ça que je le ressens du moins. Ah, la marelle, ça, enfin le, on va dire le dessin moche d'enfant, ça c'est connu. Ok, ça. Zombie, pas zombie. Lettre de suicide d'un soldat. 28 septembre, Moyen-Orient, Europe de l'Est, Afrique de l'Est. Je pensais avoir une bonne idée, ce qu'était l'enfer. Je pensais jamais craquer, peu importe la situation. Ce boulot à l'UBCS, ça aurait pu être une promenade de santé, de l'argent facile et rapide. Je l'avais bien mérité après. Tout est arrivé si vite. Notre escouade comptait 30 hommes, tous armés des derniers modèles de fusils d'assaut, et pourtant il a fallu moins de 48 heures pour nous décimer. Pour avoir été dans la merde plusieurs fois dans ma vie, je sais que les choses ne faisaient qu'empirer. Et si ce n'était que le début. Considérez-moi comme un lâche, ça m'est égal. C'est la seule issue qui me reste. J'espère juste que mon corps ne reviendra pas une fois que j'aurai appuyé sur la gâchette. Eh bien, je vais pas rester là pour te le confirmer, Coco. Désolé. Cependant, c'était... J'ai envie de dire, c'était...
au moins brave d'avoir osé le truc. Par contre, du coup, je suis où là? Oui, bon, c'est bon. Coffre à objet, cadenas, ouais, machine à écrire. Bon, j'ai pas tout ramassé ici. Je suis loin d'avoir tout ramassé ici en vérité. Bon, continuons un petit peu dans le coin. Note de l'électricien, blablabla. Ouais, ça, ok. Tu vois, ok, c'est bon. Là, on peut pas y aller. Donc, la seule issue reste là où je vois des trucs. Toi, enculé. Toi, si tu crois que je t'ai pas vu, fils de. Ah! Saloperie! Je suis en danger. Mais sérieux? Connard! C'était celui de là-bas là? Putain la vache, les chiens sont encore plus dangereux que dans RE2. Bon, remarque, ils étaient pas bien dangereux non plus dans RE2. Mais c'est pas en soi une très très bonne nouvelle. Ok, bon. Oh, oh la belle rouge. Oh merde. Putain de conneries. Je sais que je devrais pas. Et c'est un tel plaisir de les déglinguer. Et puis surtout, ça me ferait chier de passer à côté de loot potentiel. Genre ça, poudre noire, hop. Ah non. Tu me chaufferas pas, toi. Enfin, tu peux essayer en tout cas. Rien ne t'en empêche. Rien à signaler. Rien à signaler. Ok, fac du chef. Activer les 4 disjoncteurs. Ensuite, actionner l'alimentation principale. Les 4 disjoncteurs. 4 disjoncteurs. Ah, une sacoche, ça c'est cool, ça m'améliore mon inventaire. Enfin, ça m'agrandit mon inventaire, donc du coup, plus de choses à porter. Hop. Ça, je dis oui, 100 fois oui. Ok. J'en ai entendu un. Je peux pas viser plus haut. Cause de merde. Soirée. J'entends des zombies marcher à l'extérieur, mais je sais pas, il a pas l'air d'être décidé à venir. Moi, je dirais tant mieux. Oh, oh, it smells like. Oh, I don't even want to think about it. Cette odeur, ça sent comme. Moi je dis ça ressemble au Brain Sucker. Ce qui est pas une bonne nouvelle du tout. Je vais prendre un son peu rapidement quand même. Euh,
pareil, punaise. If only I had my lockpick. C'est ça. Si seulement. Jumpscare. Oh my god. Ok. Question, pourquoi? Là franchement, pourquoi? Juste, je comprends pas. Très bien, qu'est-ce que c'est que ça? Un crochet. Très bien. Et là, tout au fond de l'allée, il y a... C'est pas bon de trop grid. De plus, les notes lancinantes en fond m'indiquent que c'est vraiment pas la bonne solution. Oh putain. Oh les bâtards. Ok. Ok. Un parasite. Génial. Ok, très bien. Alors. Génial, c'est un labyrinthe. Alors. Ah, chiotte en plus. Toi, enculé. Bon. Ils ont l'air d'être assez fracassables. Le niveau de fracassabilité a l'air d'être... plutôt bon. Ce qui m'inquiète, c'est combien de temps j'ai. Putain. Ok, d'accord. Donc, au bout d'un moment, on se met à vomir du paradis. Quel bonheur. Derrière. Et c'est un non. Hop là, et c'est une esquive. C'est une même très belle esquive de ma part. Alors, venez. Vous attendez quoi pour vous faire électrocuter? C'est pas par là. C'est par là. Ah, nique! Bordel! Et j'ai pas d'autres soins, évidemment. Abrutis-moi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, fils de pute? Ah, viens là. Regarde, connard. Putain, évidemment, j'ai rien. Putain. C'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan du tout. Non. Non, je vais claquer comme ça à cause d'un parasite à la alien. Fait chier, c'est un secteur bizarre.
comme ça, comme le dernier des... comme le dernier des couillons, parce que j'ai pas pris assez de soins. Bon, en espérant que la... à moins que ce soit le même effet que le poison et que du coup ça... ça m'amène à un point de vie. Genre... une touche, je suis mort. C'est pas impossible non plus. Putain, si en plus ils vivent dans des trous du cul, littéralement, ça va pas le faire. Bon, c'est parti. Espérons qu'ils arrivent pas trop rapidement, parce que là, sinon je suis vraiment pas en état de me... Et merde. Magnifique. Délicieux. Drain Deimos. Ok, donc je suis là. Et merde. C'est pas bon. C'était derrière moi. Bon, génial. Ok, maintenant le but ça va pas être de... ça va être de ne pas se faire réattraper. De fait. Saloperie en tout genre, je vous invite à aller vous faire mettre. Mais genre bien profond. Ah putain! Ah! Je l'ai vu en plus. Hop! Et ça. Une balle et ça repart. Allez hop, c'est parti. Ça fonctionne. Esquive et esquive et esquive. C'est passé à peu de choses près, mais ça a fonctionné. Ah, ils ont pas l'air de monter en haut. Ouais, c'est ça. Il me reste un disjoncteur. C'est pas la mer à boire. Très sincèrement. Oula, oula, oula. Ah merde. Mais merde. Bon,
Heureusement, ils m'ont pas pondu dedans. Ce qui était le truc que je redoutais, ça c'est ça. Ok, ok. Très bien. Allez, ça c'est... On se barre, on se casse. On dégage, ça dégoupille, j'en sais rien. Mais on ne reste pas là. Oh la vache! C'est que du bon. Je... Ok. All that leaves is the main power switch. J'ai pas grand chose à dire là pour le coup. C'est très bon. J'aime beaucoup. Enjoy. Ouh. Oh en plus on crame tout. Oh le bonheur. Tellement satisfaisant. Oh là 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 là. Donc ok. Qu'est-ce que vous en pensez les gens du coup là pour l'instant? Je vais pas dire de ma prestation parce qu'elle est vraiment nulle ma prestation. Mais que pensez-vous du jeu en soi? Pour l'instant, ce que je vous en montre. Pour les 2-3 personnes que je connais, là, il me semble... je sais que vous n'avez pas la référence du jeu de base, mais en tant que jeu, tout simplement, qu'est-ce que vous en pensez, en soi? Le temps que je vois à peu près quel... Il y a un cadenas, déjà? Ah oui, en dessous, peut-être. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices. Right. I think I know the building. Really? Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Ah, allez, ça c'est fait. On n'est pas partenaire, fils de pute. Non, attends. Pas normal. Pourquoi il y avait un cadenas ici? Il devait y avoir un cadenas. Il y avait un cadenas ici. Voilà. Souvenir, souvenir, souvenir. Le temps que ça remonte au cerveau. Allez, au moins quelques secondes. Des munitions pour pistolet, c'est toujours utile. Eh bien, c'est un argument valable. Étonnamment. Non, oui, peut-être. Personne? Absolument personne? Oui, s'il y avait des clebs là-bas. Ah d'accord. Oh mon dieu. Ouch. Bon, pour ceux qui aiment Nemesis. Ah d'accord. Ok, je n'ai plus du tout de balles de... Ok, et là du coup. Carlos, that thing is still alive. It's after me. What? Run! Come back to the station. Not until I get traffic control online. Ok, bon. Bon bah c'est la merde. De toute manière, comme je disais au tout début, hein, mademoiselle, votre hentai est là. Bon. Bon, vu que j'ai pas réglé le compte du vilain,
Où est-ce que je vais aller? Il n'y a pas 50 chemins de toute façon. Voilà. Ah merde. C'était une esquive parfaite ceci. Ça aussi. Bon bref, cassons le coup. Oh non, c'est pas vrai. Comment je vais faire là? Et merde. C'est raté. Et je n'ai pas tant de soins que ça en vérité. Putain, j'ai devoir utiliser mon spray de soins si durement acquis. Il y avait un cadenas ici. Toujours intéressant. Et en plus, il y avait des. Oh, quel abruti. Bon, déjà c'est cool. Ok, poudre noire, grenade, très bien. Ok. Carlos, I'm in the control room. Now what? Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a second. All right, where are we headed? The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Fox Park. Can you program that in? Hey, I'm Super Cop. Consider it done. Ok, bon. Ok, alors, rue. Alors là. Je dirais FA du coup, pour Faust Avenue. Ensuite, on passe par le R à Raccoon Central. Et on part ensuite sur Saint Michael Station, donc SA. Et là, si je comprends la logique du truc, ça doit être ça. Valid route confirmed. C'est bon. Carlos, it's me. I finished inputting the subway route. Chill, you are amazing. C'était de la chance, vraisemblablement, mais ça va fonctionner. Ok, maintenant faut que je revienne. Ça va être ça le problème maintenant. Hop, alors, ceci. Ceci m'apporte des munitions de pompe, ce qui est appréciable. Pompe que je n'ai plus sur moi, bordel, comment je fais? Le Némésis m'attend dehors, n'est-ce pas? Oh bordel! Non, pire. Pire que le Némésis. Des trucs mutés et de tous les côtés. Ah bordel! Ok, non, ça c'est pas bon du tout ça. Je me souviens de ces trucs, mais le peu que je m'en souviens fait que j'ai pas envie de les revoir. 1-1-1-1-1. Bon, tout va bien. Ok, tout va bien. J'ai deux grenades. Je pense que je peux laisser ça ici pour le moment.
La poudre noire. Franchement, ça va. C'est juste le fusil, franchement. Où vraiment les balles, ça va se compter. Mais vraiment. Bon, après, il n'y a pas besoin pour l'instant. Si, attends. Faut que. Non, c'est bon. Je l'ai gardé, celui-là. Bon, alors, maintenant, pour revenir à la. Pour revenir au métro. Ça va être rigolo, tiens. Là, là. Et ensuite, on redescend tout ça. Je sais que ça n'a pas grand sens, là, ce que je viens de dire en soi, mais. Mais je vous jure que ça part d'une vraie réflexion. Mais merde! Je ne sais pas du tout s'il est possible. Ah d'accord. Oh non, on me dit putain de. Bon, ça je m'en fous. À la limite, c'est pas grave. D'accord. Ok, bon, on va dire que. C'est parce que c'est la galère. Très belle esquive. Je m'auto-congratule parce que là, c'était, je pense, vraiment une très belle esquive. Et ça, c'est ce qu'on appelle clairement du bug exploit. Tout va bien. C'est pas vrai. Bon, voilà. C'est de cette horloge-là que je parlais pour insérer la gemme rouge. D'accord. Eh bien, j'accepte la grenade avec grand plaisir même. Elle m'a même bien sauvé la mise. Il y avait un truc à crocheter ici. Ok, les cartouches de pompe, c'est toujours utile. Par contre, du coup, je n'ai vraiment plus de soins. C'est inquiétant. À moins. À voir. À voir, à voir. Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. Mm-hmm. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start carrying dead weight for her. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's me he's after. Hey. I'll buy you some time. Hey, wait. Wait, Jill. No! Damn it. Come on, you creepy ass dog. Oh, j'ai même pas. J'ai même pas eu le temps de faire ma provocation. Oh, quelle horreur. Ah, génial. Souhaitez-vous passer en mode facile? Non. Non, c'est mort. Ah, ça. Ça, c'est une réplique très très importante. C'est une réplique très très importante, mais c'est assez étonnant qu'elle arrive aussitôt, entre guillemets. You want stars? I give you stars. Non, 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 non.
Ok, ça va se jouer à du jeu du chat et de la souris, n'est-ce pas? Ok, très bien. Ok, parfait. J'aurais... Clairement, oui. Carlos, do you copy? Carlos? Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Ok, eh bien c'est sur ceci que nous allons terminer ce petit live qui fait quand même une petite heure et demie. Hein. Et de fait, j'ai pas grand chose à rajouter en vérité, si ce n'est... Oula. Bon, il y a quelques légers problèmes encore de ralenti intempestif. Ce qui est un petit peu en soi dommage, mais bon. Compréhensible dans le sens où le jeu vient de sortir. Il vient tout juste de sortir. Il y aura probablement demain un énorme patch de 3,5 Go pour corriger tout ce qui va pas. Enfin, pour corriger les principaux problèmes rencontrés, en tout cas. Et de fait, très sincèrement, j'ai rien de plus à redire par rapport à ce jeu qui me fait l'œil, qui me fait très plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à parcourir ce jeu. Même si en 99, j'étais pas encore tout à fait né, en tout cas pas. Pas au moment de la sortie de RE3, mais il me semble, hein, d'ailleurs ça me met le doute, mais bref, du coup j'y ai quand même joué au jeu original et je redécouvre l'histoire avec plaisir en live, si je puis rajouter ça en plus. Donc du coup c'est vraiment avec grand plaisir que je le parcours avec vous. Si vous avez envie de voir la suite, pas de souci, ce sera la semaine prochaine, probablement pareil, hein, vers 18h30, vers 18h, 18h30 peut-être. Enfin bref, on verra. On verra ça, je l'annoncerai probablement. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Moi, je vous dis à la prochaine et terminons en sauvegardant. À une prochaine. Salut.